Et puis salut tout le monde, c'est Speedy Lee, on se retrouve sur No Man's Sky. La dernière fois, ben j'ai dû... Voilà, au moins j'ai un truc nouveau. Ah bon, la dernière fois, c'est sûr que... J'avais amélioré mon pistolet, voilà, je suis allé faire un peu partout, je suis allé... prendre un peu partout, j'ai dû améliorer mes armes, voilà, j'ai fait... Voilà, comme toujours, on farme beaucoup plus dans ce jeu-là. Super, nice. Ouais, ok, là, la foudre, ça me prend 40 minutes, là. Regardez comment ça se détruit tellement pas rapidement, ok, ça sert pas à grand chose. Alors on va aller chercher les Iridium, comme il y avait dit dans le jeu. Arrivé dans 2 minutes 55, okay, 2 minutes 55. Pour l'instant on vérifie qu'il n'y a pas rien qui est derrière nous, parce que j'ai quand même trouvé une base, mais c'est pas une base, hein, plutôt. Oh, je m'en ai tombé. Une chose qu'on a jetpack qui nous sert, alors bon, c'est vraiment bizarre, genre une fois que la Terre est tellement grande qu'il faut que tu cherches, que c'est vraiment... trouver un humain, genre un vrai humain, c'est comme genre impossible, genre. Du zinc, du carbone, du fer. Puisque le lancer de foudre n'est pas si bon, je peux pas dire qu'il pourrait, mais bon, je verrais pas son utilité pour l'instant. Mais juste que je l'ai amélioré parce que voilà, mon âme était. Je pouvais améliorer mon âme parce que je me suis dit pourquoi pas le faire. Alors, est-ce que je vais arriver à atterrir? Nice, je suis arrivé. Voilà, pour détruire du fer, alors là, ça prend 20 ans. Allez, jetpack, non, laisse pas tomber ici. Ok, fume. Alors, on va arriver directement, j'espère qu'on va y arriver. Dépôt d'iridium dans une minute. C'est encore loin, genre, c'est comme fucking loin. Je pensais qu'il y a le mec plus proche, mais là. Il fait 6,5 radians. Ou degrés, je sais pas ça. Oh, mais là, comme toi, là. What the hell? Ok, j'ai pris des... Ok, je prends des dégâts de chute. Je suis presque. What the fuck is that? C'est quoi cette merde? Ça attaque en plus. Je savais même pas que ça pouvait attaquer ces conneries. Avec moins 50% de protection. Ils ont juste envie d'arriver là-bas pour l'instant. Ah, pas encore les trucs à classe. Une perle. Mais ce qui me tourne autour? Ah, ok, c'est des. Voilà. Oh, nice! Voilà le truc. Voilà ce qu'il nous voilà ce qu'on cherchait. Je vais pas m'écraser parce que sinon si je m'écrase je vais vraiment être brin brillant. What the fuck is that? Ok, nice. Ça a absolument rien fait. Est-ce que je peux changer mon fusil genre? Ok, je préfère donner des coups. Il me faut 200 comme ça. Ouais, mon arme n'est pas si forte, genre c'est pas le problème, c'est que... Est-ce qu'il y a une place là-dedans, merci. Tiens, on va construire un peu. Tiens, on va rentrer deep inside. Il va y avoir un putain de monstre, il va nous défoncer, genre, regardez ça. Il me faut 200. What the hell? Ok, genre à un certain moment ça marche même plus. 40. Ok, pas de problème. Pas de problème, on va vous envoyer ça. Alors dans l'exo. Non, je veux l'exo combinaison. Non, allez maintenant l'exo. Ça s'en charge, je vais le recharger. Ok, et puis là, je vais recharger mon multi-outil. C'est bizarre que je peux pas changer. Comment ça va? Ouais, ok, il faut que je l'active.
Ok. Vous voyez, j'ai augmenté ça de 1, j'ai augmenté ça. Je vais réparer ça, mais là je pense que je vais juste utiliser le rayon d'extraction parce que là, ça ne marche pas trop bien comme ça. Alors, l'exocombination, s'il te plaît. S'il te plaît, transfert. L'iridium, j'en ai 250. Ok, je pense qu'il me faut même plus là, l'iridium. J'ai 250 sur 500. J'ai 200, j'ai deux feuilles, j'ai du zinc. Alors bon. Pourquoi pas en continuer de détruire? Non. Je ne veux pas ça, je veux l'autre, s'il vous plaît. Non, je veux. Mais comment? Je veux pas le lance-food, moi, je veux pas le lance-food. Pourquoi ils me disent le lance-food? Je l'active pas le lance-food. Alors. Appuyer pour l'appuyer, ok, ça je fais. Non, non, ça reste sur le lance-food, je comprends pas là. C'est vraiment bizarre. Tiens. Je vais essayer de me faire le maximum. Comme ça, après ça, on n'aura plus besoin. De toute façon, juste en prendre 250, comme ça, on sera correct. 128, 136. Peut-être que ça me servira après, on ne le sait pas. De toute façon, on prend le maximum qu'on peut. Et puis moi, c'est sûr que je vais faire les farms hors vidéo, parce que sinon, ça va être pas très intéressant pour vous, ni pour moi, de vous montrer que du farm. Et voilà. What the hell is that? Je sais même pas c'est quoi, genre ça a l'air d'une. Ok. Ouais, c'est en train de gosser. Alors tu es un animal. Pas de. Viens ici. Ouais, j'ai tué un animal. Ça m'a donné de l'iridium. Est-ce que je peux le dépeceler ou. Arrête de bouger. Ah, fallait que je rechange maintenant, t'es sérieux? Non! Mon tonneau! Bah, position. Cours! Je sais pas par où est ton vaisseau, mais cours! Usez avant qu'il n'arrête, tout éviter de détecter. Ça, j'essaie de faire là. 3 cm désactivé, ok, nice. Mon vaisseau est à l'autre bout de la planète, alors bon, je pense que je vais couper la vidéo, on se retrouvera, mon vaisseau passe à prendre 4 minutes. Alors, vous savez quoi? Exo-combinaison. Tu me transfères ça, tu me transfères ça. Ok, bon, de toute façon. Nice. J'ai absolument rien, je sais même pas ça à quoi. Une pièce pour des intérêts de qualité très possible lors des échanges, donc ok, je vais la garder pour moi alors. Et puis je vais vous retrouver dès qu'on va arriver, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bonjour. Et puis re tout le monde, voilà, je viens de découvrir une nouvelle. Une nouvelle arrivée avant même de. Je pensais même pas y arriver. Oh, désolé. Bon, juste envoyer ça. Premièrement, dans notre vaisseau. Ah bon, on vient de découvrir enfin un nouvel endroit. Ok, là j'ai absolument rien. On peut augmenter maintenant notre capacité à courir. Amplification, ben oui, pourquoi pas. Voilà. On vient de sauvegarder le Borma maintenant. Ah bon, c'est quand même assez le fun genre, de trouver comme plusieurs places et tout ça et puis de découvrir plein de choses. Mais... plein. Inventaire plein, isotope. Je pensais que j'avais fait, je pensais que j'avais trouvé quelque chose. L'oxyde. Ok, c'est quoi cette manette? C'est quoi cette truc là? Améliorer la combinaison. Ok. Oh non, ils sont en train de trouver une nouvelle. Ok, bah oui, je vais prendre.
Oui. Je sais pas ça me donne quoi, mais bon. Qu'est-ce que je peux améliorer? Protection, radiation, stabilisation. Moi, il va me donner une nouvelle place, une nouvelle chose. D'isotope. Du plutonium et du plutonium. J'ai pas d'oxyde. Ah! Il y a du plutonium, du fer. Moi j'ai du fer. Vous êtes pas drôles les mecs. Le fer il est plein. Bon, de toute façon je vais jeter le fer. Voilà. Comme ça je peux avoir de l'oxyde. Et là on va retourner au vaisseau pour l'instant. Ouh, c'est quoi ça? Ça me donne de la platine. Ouh, de la platine. On va... J'ai combien de fer? J'ai 200 000. Voilà. Ouh, de la platine, j'avais jamais vu ça avant. Du carbone. Voilà, j'ai déjà du fer. J'ai assez de fer pour l'instant. Je pense que j'ai assez de fer pour tout le reste du jeu. Mais non, je vous niaise, mais... C'est quoi ça? Du carbone, j'en ai assez. Mon vaisseau, s'il te plaît, tu es où? J'arrive, petit vaisseau, dans 1 minute 37. Allez, allez. Ne te décourage pas, frère, on est presque arrivé. C'est vraiment le fun d'explorer tout. C'est plus une exploration, il n'y a pas vraiment de fin au jeu. Aïe, j'ai pris assez cher, là. Ok, je pensais que j'allais m'écraser, perdre toute ma vie. J'ai presque plus de ration. Il faut arriver au vaisseau. Allez, grouille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, allez, allez, allez. On est presque au vaisseau. Ok, je pensais que j'avais vu quelqu'un. Je suis là, qu'est-ce que c'est là? Il y a des PNJ, il y a des PNJ. Genre, il y a des mobs. Pas des mobs, mais genre. C'est plutôt des marchands. Pas des marchands, mais c'est comme, genre, comme des personnes. Mais PNJ. Voilà. On va recharger notre truc. Alors, on va réparer enfin notre population. Voilà. Il me faut du Tamius 9. Waouh! Pour le réparer. Alors là, je peux maintenant fabriquer quoi? J'ai refroidissement. Ainsi, une nouvelle technologie. Il me faut. Ouais, ok, il me faut vraiment pas mal de choses. Je peux fabriquer une puce que j'ai déjà. Un micro décondensé. C'est quoi ça? Matériaux contenus multiplicement. C'est des combinaisons. Ok. Ok, cellule de distorsion. Là pour l'instant j'ai pas besoin de ça, alors à quoi bon le créer maintenant? Alors que moi j'ai pas besoin de transporter des objets. Moi j'ai quoi là, mon exo? J'ai pas mal de choses. Ok, on va transférer ça. Et ça, et ça. Et ça. Voilà. Ok. De toute façon, notre vaisseau il est plein maintenant. Il faut juste lui donner de l'énergie pour qu'il puisse décoller. Notre fusil pour l'instant est assez bon. Si je veux. Attends, comment je fais pour pas démonter ça? Mais je veux le tasser. Ok, je peux pas. Ah. Oh. Projectile, laser. Ok, je peux pas tasser de nouvelles choses, mais je peux créer. Alors bon, il y a quand même pas mal de choses à faire, voilà, on a quand même pas tout. Mais c'est vraiment le fun, j'aime bien le concept du jeu de pouvoir chercher tout, de pouvoir créer, de découvrir quoi, la planète en tant que telle, alors que c'est le genre, c'est une planète sur des milliards et des milliards et des milliards de milliards de milliards de planètes dans le jeu. Alors bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour l'instant tout le monde. J'espère que vous appréciez la petite vidéo sur No Man's Sky. Alors bon, pour décoller, ça m'intéresse pas trop. Alors bon, on va s'arrêter là pour l'instant tout le monde. Ouais, ça on peut pas décoller encore. Ouais, il faut juste alimenter le propulseur. Alors on va faire un C pour voir où ce qu'ils sont exactement. Étape voyage attaque, vous voyez. Merci beaucoup. Réparation du vaisseau, oui.
Bon, on n'a pas fini le vaisseau, ne vous inquiétez pas. Ah bon. Je vois juste que mon vaisseau, mais je vois pas le reste. Ah, petite boule veut me parler? Ça me doit être un instant, je vois des prix plus grands objets. Bon, ça, j'ai déjà accepté. Ok. Moi je sais vraiment pas où ce qu'est l'Atlas, je sais vraiment pas où ce qu'est la passe Atlas, mais bon. Maintenant il me faut des trucs pour le décollage, comment ça s'appelle déjà le nom? Il me faut du tamnium 9, alors bon, on va regarder ça dans les isotopes. Alors, on va regarder ça, et puis je vous reviendrai ça dans la prochaine vidéo parce que là je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant tout le monde, alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur No Man's Sky. Bon, c'est quand même assez complexe, c'est pas si facile comme on peut se le dire, mais bon, au moins, on commence à comprendre un peu la mécanique du jeu. Alors moi, je vous dis à la prochaine, c'était Speedy Lee, n'oubliez pas de partager et commenter si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.